Aujourd'hui, il n'y a pas de discussion dans le pays. La Cour des comptes reconnaît que les fonds de
pour arriver ont été dilapidés. C'est très important. Deuxième bagaille important pour nous, le secteur démocratique, là, son satisfaction. Je tiens à féliciter le sénateur Beaublanc, le sénateur Antonio Chirabou-Cato et le sénateur Cassi, présent sur ce panel, pour le travail qu'ils avaient réalisé. La commission, ça, qui présente le rapport, il y a des gens qui dédient ces politiques. Il y a des gens qui dédient ces persécutions. Je dis, la Cour des comptes a validé le travail qui a été réalisé par les sénateurs de l'opposition, par les sénateurs du secteur démocratique. Ça fait toujours dire que le dossier Petro-Caribé, c'est un dossier que le secteur démocratique là, a porté et pour aller jusqu'au bout avec lui, sans ne pas oublier l'autre sénateur qui est déjà travaillé sur la même question de Petro-Caribé. Troisième élément pour retenir attention, c'est que Jodia, la Cour des comptes a confirmé la participation de Jovenel Moïse dans la dilapidation des fonds. La commission sénateur Beaublanc, Cassio et sénateur Cato, dit que Jovenel Moïse, à travers Abutrans, à travers Finel, il participait dans le volet de Petro-Caribéa. Il a dit que c'est l'opposition de la campagne. Il a dit que c'est le secteur démocratique populaire qui a besoin d'inverser Jovenel Moïse dans la campagne. Mais nous portons plainte, il a dit que c'était politique. Je dis à la vérité, elle est là. Devant tout le monde, Jovenel Moïse participer dans le volet de et c'est la Cour des comptes, l'institution technique, l'institution indépendante qui produit un rapport impartial qui confirme que ça, sénateur, c'est que démocratique l'a déjà dit à travers la deuxième commission. Et je dis à vous, capable de dire, il n'y a pas de monde qui va poser des questions sur ça. Pas de procès pour nous calibrer avec nous. Côté monde qui n'a pas de l'État à respecter le monde, Jovenel Moïse t'a démissionné. Et lui même joue avant sortir. Et l'autre bagage nous retenu dans le rapport ça, nous t'a dit que c'est plus passé 3 800 000 000 $ américains. PHTK dit, oh, je fais chier, je fabrique, les gars pas menti, comme là pas tout ça. La Cour des comptes, c'est plus de 4 200 000 000 $. De toute façon, pour nous dire, c'est vrai dans la politique, mais nous honnêtes dans sa fin, nous honnêtes dans sa vie. Dernière considération qui est importante, la Cour des comptes reconnaît que le dossier Petro-Caribé est un dossier de corruption. Et qu'en matière de corruption, le tribunal compétent, ce n'est pas le tribunal administratif comme la Cour des comptes. C'est le tribunal de droit commun. Ça veut dire, décision nous te prenons le 29 janvier 2018 pour déposer le dossier Petro-Caribé devant la justice, c'est une bonne décision parce que la justice répressive ordinaire est la seule instance compétente en matière de corruption. Pas de discussion sur ça. La Cour des comptes dit que c'est corruption, c'est une question d'enrichissement illicite, c'est trafic d'influence, c'est des autres affaires qui fait, il n'est pas compétent pour juger sur ça. Bref, c'était ça la position du secteur démocratique là. Et nous rappelons, secteur démocratique là, nous avons besoin clair, nous ne pouvons pas chercher compte avec nous, nous avons besoin de changer de pays. Nous avons besoin de payer à machin l'argent. Nous avons besoin de payer à gérer l'argent. Nous n'avons pas besoin d'écraser le monde. Nous n'avons pas besoin de dominer le monde qui te domine. Nous n'avons pas besoin d'envoyer le monde à attaquer le monde. Nous n'avons pas besoin d'envoyer le monde à voler le monde. Nous avons besoin seulement de prendre le contrôle du pays avec tout notre secteur dans le national là pour nous changer les conditions de la vie. Voilà le combat du secteur de la politique. Et sous base ça, intervention de la